à tous. Le mois de juin rime avec le festival Escaldailleurs. Depuis des années, la ville vous offre des moments d'évasion et de découverte entre amis et en famille. Je vous propose dans cette nouvelle émission d'explorer ce festival en attendant le 10 juin. Nous vous présenterons une toute nouvelle application pour vous aventurer dans le festival. Des jeux, des concerts, plein de moments à partager en famille et entre amis, mais aussi des conseils pratiques pour profiter au mieux de cette journée. C'est parti pour notre spécial Escaldailleurs. Pour commencer, des images, de la musique, c'est le moment de revenir sur le mois passé. Sensation à découvrir avec les groupes Red, Bowling Ball et Cube, originaires du territoire de Saint-Quentin en Yvelines et repérés lors du concours Clé en scène. Venez nombreux les applaudir à Escaldailleurs. On est les Red Bowling Ball du coup. On vient de Saint-Quentin en Yvelines. Ça nous fait plaisir que ça soit ouvert parce que justement avant on pouvait pas le faire. Voilà, c'était une porte de plus pour les groupes qui sont environnants, pas loin, mais qui peuvent quand même jouer. Donc du coup c'est sympa et puis pouvoir échanger avec les gens qui jouent déjà ici. On s'éclate vraiment à faire cette musique tous ensemble. Il y a un super état d'esprit en plus dans le groupe. On est ravis d'être en finale. Pour nous, la demi-finale, c'était une grande première. On est très flattés d'avoir été bookés pour le 10 juin d'ailleurs, Escaldailleurs, à cette occasion. Soyez là à 19h le 10 juin devant la grande scène de Escaldailleurs. C'était vraiment top. C'était chaud. On s'est bien amusé, il faisait chaud, les gens se sont motivés. Je sais que c'est pas le style de musique de tout le monde, mais du coup, ils ont quand même réussi à s'entraîner. Belle énergie. On attend avec impatience l'escale. Ouais. D'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça va être autre chose. Ça va être plus gros. Ouais, okay. Ça va être bien. La ville a mis en place une nouvelle application gratuite sur smartphone qui permet aux Plaisirois d'être acteurs de leur festival et de découvrir les différents pôles proposés sous un autre jour. Développée avec l'agence de marketing expérientiel française Furet Compagnie, spécialisée depuis 5 ans dans la valorisation ludique du patrimoine, c'est une nouvelle manière d'intégrer le numérique à la programmation culturelle. Partons dans l'univers du corsaire Hyacinthe-Marie-de-la-Crâne. Cette année, tu viens avec nous à Escaldailleurs ? Je sais pas trop, pourquoi ? Bah, attends, mais tu peux devenir riche ! Il y a plein de pièces d'or à gagner ! Hein, comment ça ? Tu connais pas Hyacinthe Marie de la Crâne ? Attendez, vous allez venir m'expliquer tout ça à l'intérieur. Ok. Regarde, cette année, pour le festival Escaldailleurs, ils ont fait une nouvelle application. En fait, il va falloir faire des missions, et plus tu fais de missions, plus tu gagneras des pièces d'or. C'est génial ! Matelot, on va commencer par quelque chose qui n'est pas très compliqué. J'espère que vous allez être à la hauteur. Ok les filles, alors, sache coder... On peut tourner les pièces. Ça a l'air de marcher. Ouais. Ou pas, non. Non, ça marche pas. Bon, il faut essayer. Après, il faut s'y réfléchir, je pense que c'est plutôt comme ça. Hop là. Ouais, on a bientôt réussi les filles. Oui.
Voici un tableau qui va pouvoir vous aider à déchiffrer ce message codé. Si vous avez besoin d'une longue vue, cliquez sur l'image pour l'agrandir. Rendez-vous au château de plaisir. Rendez-vous au château de plaisir. Allez, allez. Alors les filles, non loin de la fontaine se trouve un cadran solaire. Parmi les images suivantes, laquelle n'a pas été modifiée? C'est par là. Allez, c'est parti. Comment vivre votre festival sereinement, ne rien rater, organiser votre programme, pas de panique, je vais tout vous expliquer. Toute la journée, des navettes seront à votre disposition pour les trajets aller-retour de la gare au château. Vous pourrez profiter du concert sans rater le dernier train. Vous pourrez vous restaurer au pôle gastronomie. Les associations vous proposeront des plats du monde entier à des tarifs attractifs. Sans oublier les traditionnelles glaces et saucisses frites. Si vous avez oublié le programme, des hôtesses vous attendront aux entrées du château et pourront vous renseigner. Pour finir, voici un petit tour d'horizon des différents pôles qui raviront les petits comme les grands. La ville vous offre une superbe tête d'affiche avec le groupe Electro Deluxe qui va vous faire danser au rythme du jazz, de la soul et du funk à ne rater sous aucun prétexte. Je m'appelle James, chanteur, électro deluxe. Je m'appelle Gaël, je joue des claviers. Et Jérémy, bassiste. Alright. On dit pas de gros mots, hein, les gars, hein, cette fois-ci. On aime aller à la rencontre du public et on essaye de leur donner un cocktail à base de funk, de soul et de jazz. On va jouer le répertoire de notre dernier album qui s'appelle Circle. C'est un répertoire tout nouveau qu'on a arrangé exprès pour la scène. Rendez-vous hein, au festival Escale d'ailleurs hein, avec Electro Deluxe. On va faire la fête, on va bien s'éclater. Le 10 juin. Et en plus, c'est gratuit. En plus. Jay, t'es là? Je vais essayer. Hein, t'es là? Moi je viens. Et alors, s'ils sont là, vous êtes là aussi. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. For 15 rounds, Electro Deluxe, bigger is better! Pour les enfants amateurs de sensations fortes, retrouvez au pôle jeu la cage à grimper et le parcours Kids Aventure. Ce spécial escale d'ailleurs vous a plongé dans la période estivale. Mais le 10 juin n'est pas la seule date à retenir. En avant-première, le théâtre Espace Coluche vous dévoile le 6 juin sa nouvelle saison 2017-2018. Le 21 juin, la fameuse fête de la musique vous invite tout au long de la journée de 10h30 à 23h sur différents sites de la ville. Le programme complet sur le Facebook de la ville est sur l'essentiel-plaisir.fr. Le théâtre en plein air va littéralement vous happer les 30 juin, 1er et 2 juillet avec un cabaret mauvais genre inspiré par les textes du dramaturge Bertolt Brecht. Chansons acides, poèmes grinçants, bagarres, danse qui se tient mal et cuivres qui n'ont pas peur des dissonances, la soirée promet d'être tonitruante et politiquement incorrecte.
Comme chaque année, la ville vous donne rendez-vous le 13 juillet dans le parc du château pour le traditionnel feu d'artifice. Dès 21h, profitez du bal qui ouvre les festivités. Pour tutoyer les étoiles le temps d'une soirée, il y a plus simple que de devenir astronaute. Il vous suffit de vous rendre le 29 juillet dans le parc du château où vous attend l'association Vega et ses télescopes pour la 27e édition de la Nuit des étoiles. La soirée du 25 août est placée sous le signe du 7e art avec les Yvelines font leur cinéma. James Bond vous attend sous les étoiles plaisiroises avec Spectre. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission aux couleurs de l'été. D'ici là, profitez bien de votre festival. Ciao !